Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un super nouveau vlog. Et aujourd'hui tout simplement on va à Disneyland pendant 3 jours. Voilà, c'était un peu inattendu parce que je vous avoue que j'ai su ça genre il y a peut-être une semaine. Du coup là on est invité à Disney pour découvrir le nouveau Avenger Campus. Donc c'est une nouvelle zone au Walt Disney Studio. Du coup moi qui est une grande fana de Disney, je suis trop contente d'être déjà invitée par Disney. Genre vraiment c'est pépito, c'est incroyable. Parce que dites-vous que j'ai une grande histoire d'amour avec Disney. C'est en fait il faut savoir que j'habite très près de Disney, genre très près. Par exemple quand j'étais au collège ou même au lycée, et ben avec tous mes potes on avait un pass Disney. Donc ce qui fait que quand on quittait les cours on allait à Disneyland Paris. Et franchement c'était trop bien. Du coup je connais le parc par cœur. Je suis vraiment une fanat de Disney. Donc en fait je vous le partage pas forcément, mais vraiment l'univers Disney c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, parce que vraiment je suis bercée dans cet univers depuis que je suis toute petite. Et aujourd'hui on est invité pendant 3 jours. Donc vraiment on aura plein de choses à faire. Il y aura énormément de choses à vous montrer durant ce vlog. Donc les fans de Disney là, je vais vous régaler, vous allez voir. Ça va être trop bien parce qu'on sera pas seul. On sera avec Dejna, voilà, Dejna, ma partenaire de Disney, ma crush, voilà. Il y aura très certainement Locklear, Jiraya et Dwagby, parce qu'en fait on y va avec eux. Donc ça serait trop cool qu'on se retrouve tous ensemble pour faire des attractions, donc on va bien voir. Du coup là on va aller au Disney Hotel New York The Art of Marvel. Franchement mon accent est vraiment miteux. J'ai trop hâte, en tout cas je veux vous faire voyager avec moi aujourd'hui. Donc c'est parti dans ce vlog absolument magique, c'est parti. Bon du coup les gars on est arrivé à Disney. J'ai ma petite valise juste ici. En fait l'entrée elle est là-bas, voilà elle est juste là-bas. Donc on va y aller, on va découvrir l'hôtel. Ça me fait penser grave à New York tout ça, regardez. Les bâtiments comme ça là. Franchement pépite. Donc là on va aller dans l'hôtel. Dejna va arriver grave après. Parce que elle faisait sécher ses chaussettes. Et du coup elle est en retard à cause de ses chaussettes. C'est aberrant tout simplement. Regardez, c'est trop bien. Regardez, petit taxi jaune. J'adore, regardez. On est à New York, c'est pour ça que l'hôtel s'appelle Hôtel New York Art of Marvel. Du coup nous voilà rentrés, on a passé la sécurité, ce qui est normal. Et regardez, c'est incroyable et ça sent trop bon. Vraiment dans l'hôtel ça sent trop bon, je sais pas pourquoi, mais ça sent trop bon. Et regarde, c'est trop stylé. Franchement, j'ai une chance incroyable. Hein. Regardez vraiment l'univers. Même là-bas, il y a plein de trucs. Bon, là, je vais récupérer ma chambre. Je sais pas s'il y a des différents types de chambres, mais j'ai trop hâte de la découvrir. Trop hâte. Ah ouais, c'est la tour de la Terre, mais version. Ah ouais. Oh, le truc de fou furieux. Alors, normalement, je crois que l'Avenger Campus, il va être un peu comme ça là-haut. J'ai trop hâte de découvrir comment ça va être. Je suis une fanat de Disney, j'ai trop hâte de voir une nouvelle attraction, comment ça a évolué, le parc et tout. Là c'est un truc de fou, je crois. Je sais pas si c'est tactile. C'est incroyable. Wesh. Quadlab, chez les futurs super-héros. Bienvenue à l'Avengers Campus. Iron Man est en action et ça déchire. Incroyable. C'est trop bien fait, ils sont dans le turfu Disney. Ils sont dans le turfu. Alors chambre 1101. En vrai trop cool, je suis trop contente. Encore merci à Disneyland Paris de nous avoir invité. J'ai trop hâte de tout découvrir parce que là c'est que le début. Oh, oh. J'ai l'impression qu'on a des cadeaux. Déjà attendez, je vous fais un petit rond tour. Là c'est le moment du rond tour. Petite entrée, petit couloir avec une petite armoire. Petite salle de bain. Franchement pas mal la petite salle de bain. Petite salle de bain, petite baignoire, petite toilette, voilà, classique, j'ai envie de vous dire. Ensuite, petit siège, deux lits, frère, on va se mettre bien avec Dejna, on a deux lits. Mais attends, mais la déco, elle est tellement stylée. On a des petites gourdes comme ça pour la journée, on a ça. Mais attends, mais les frérots, on a carrément une petite bouteille de champagne. Mais attends, mais c'est un truc de fou, frère. C'est quoi ça? Mais attends, on a voilà les cadeaux. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de l'ouvrir. Ils nous ont donné une petite peluche. Une petite peluche Marvel, frère. Mickey Marvel, mais attends. Ils nous ont donné des macarons. Non, mais regardez-moi cette dinguerie, genre. On a un petit calepin. Hôtel New York, mais attends. Notre pâte, petit calepin avec un petit stylo, voilà. On a la petite vue comme ça. Voilà, c'est une petite vue sur le Disney Village, voilà. Oh. Mais non. Mais attends. Mais non, mais la grosse dinguerie. Regardez la télé. Disney à la demande, mais non.
mon hôtel, Parquet Plus, mes vacances. Bah attends, mais ça veut dire qu'on a Disney à la demande, on peut regarder un Disney maintenant. Tu peux mettre des musiques, tu peux mettre... Mais attends, tu peux mettre des petits documentaires. T'as les Éternels. Juste là, t'as les Éternels. Franchement, gros dinguerie. Bon, j'avoue, j'ai été impolie et puis j'ai pas mangé ce midi, mais désolée de déjeuner, j'étais pas attendue pour manger un macaron. Gros dinguerie, je kiffe trop les macarons là. Ça carie de fou. Je suis trop heureuse. Miam. Bon là on va aller chercher ma petite Dojna. Du coup c'est parti, on prend la petite carte. On va aller chercher Dojna qui se trouve du coup à l'entrée. Allez hop, on y va. On va voir Dojna. On va voir Dojna. Elle est forcément là. Ah elle est là. Ça va? Et toi? Voilà, coucou la cam. Mais t'as vu? Il est incroyable le truc. Bah il y en a une mais je te la donne. Je te la donne. Ouais je te la donne. C'est pour toi. Ça c'est une télé, meuf. Quoi? C'est une télé ça. Comment ça c'est une télé? C'est un miroir, meuf. Bah c'est une télé miroir. Attends, comment on fait pour l'allumer? C'est une télé. Disney à la demande. Mais oui, Disney à la demande, c'est trop stylé. Bon, du coup, avec la petite Doge là, on va tranquillement se diriger vers le parc. Donc là, on est dans Disney Village, mais regardez-moi ça. On voit qu'il y a Iron Man là-bas. Viens, on va voir. C'est incroyable, regardez, il y a plein de petits trucs et tout. Il fait bon, genre c'est trop agréable. Puis même c'est tout propre, c'est tout beau, genre c'est vraiment incroyable. Attendez, je vais aller voir le lac. Oh la grosse dinguerie. Regardez, et là juste en face, bam, on a un autre hôtel il me semble, mais c'est incroyable. Regardez l'hôtel, la montgolfière, c'est trop beau. Franchement, je kiffe. Mais attends, mais il y a des poissons de fou, je sais pas si vous voyez, mais il y a des giga poissons dans l'eau. Et on va aller dans le parc là tranquillement, il y a une parade, on va aller voir la parade. Regarde la vue. Mais c'est juste incroyable. Je vais réserver pour notre date. Ah c'est... Tu t'arrêtes. Je me mets à genoux pour toi. Veux-tu devenir ma princesse? Oui. Mon Avengers. Bon. Oh let's go. Dojna JTM. Hein. Franchement là... Là bah, du coup on peut dire que c'est notre lune de miel. C'est vrai. Regarde les statues et tout. Mais ils ont tout refait, ils se sont investis à fond. Notre chambre elle est là-bas. Mais oui, notre chambre elle est là-dedans. Oui, parce qu'on avait la vue. Mais c'est incroyable. It's incredible. Regardez, là il y a le crocodile. Regarde, tu savais qu'il y avait un crocodile là déjà? Ah ouais. C'est un vrai crocodile. Oh, il est vivant. Je te jure, il est vivant. C'est incroyable. C'est un crocodile. Viens, on rentre dedans là. Je suis un peu curieuse là. Ça fait trop longtemps que je suis pas rentrée dedans. Genre vraiment, c'est toute mon enfance. Oh là là, regarde, j'aime trop. Imagine, t'as un décor comme ça. Genre, t'arrives à mettre des plantes et tout au plafond. C'est incroyable. Regarde. Mais c'est trop. Je kiffe trop. Avec les aquariums et tout. Franchement, gros dinguerie. Je kiffe trop ce restaurant. Il est trop beau. Voilà. Franchement, énorme dinguerie le resto. Attends, c'est bientôt la parade là. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on arrive au Castle Stage, si je me trompe pas. Il y a le château juste ici qui est absolument magnifique, il faut se le dire. Et on est trop bien passé là. Attends. Regardez. Et vous souhaitons la plus magique des journées. On est dans une zone trop cool. Ah non, mais il va y avoir un truc là. Ah, jure. Bah oui. Non, c'est incroyable. Mais non, mais là, attends, mais on est surplacé là carrément. Mais c'est les paroles. C'est vraiment ça la ma chanson? Oui. Ah oui, d'accord, ok, excuse-moi. Bon, là la parade elle est finie. On va aller à Peter Pan. Voilà, Peter Pan, attraction que Dojna n'a jamais fait. Jamais. Du coup, alors que j'étais amoureuse de Peter Pan quand j'étais petite. Moi aussi j'étais amoureuse de Peter Pan. Non, mais on a trop de choses en commun. Mais frérot, c'est trop louche. D'un moment on crush sur les mêmes personnes. Non, bizarre. J'avoue bizarre.
T'imagines, tu crushes sur Nikoff en fait, non. Depuis le début. En fait, depuis le début, non, arrête. C'est hyper... Tu sais qu'on m'a déjà fait ça, anecdote. Ah ouais, j'avais... En fait, c'est pas vraiment, on m'a fait ça. Moi, j'avais mon copain à l'époque, collège, tout ça. Ouais. Et en fait, ma meilleure amie, elle était sortie avec un mec, une meilleure amie de mon mec. Ok. Parce qu'en fait, lui, pour se rapprocher de moi, il sortait avec ma meilleure pote, alors que j'étais avec son meilleur pote. C'est super bizarre de faire ça. Et il l'a quitté en lui disant, en fait, le jour où je me suis séparée de... Oh non. De, il a quitté ma meilleure pote en mode, bah, je t'ai jamais aimée. Oh non, mais ouais, c'est quoi? Ne faites jamais ça, les frérots. Marie, si tu passes par là, je m'en rappellerai toujours, je t'aime. Même si on se parle plus parce qu'on s'est perdu de vue, mais en tout cas... Oh Marie, je suis désolée, hein, ton mec... Bon. C'est affreux, mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce que ici on est à Disney, ici c'est full amour, tout le monde s'aime, et princesses, elles ont leur prince. Ou leur princesse. Ou leur princesse aussi, bien évidemment, moi j'ai ma princesse avec moi aujourd'hui. Bon là, trêve de plaisanterie, là, on marche, on va à Peter Pan, c'est parti. Regarde les fresques, comment elles sont trop belles. Bye bye. Wow. J'ai grave kiffé. Petite attraction, tranquillou. Alors moi j'ai trop kiffé quand il y avait la petite île avec le volcan et tout. Ah ouais, non mais là on était vraiment dans le pays imaginaire pour le coup. Allez, c'est parti, Pirates des Caraïbes. Moi je pense que Adventureland, c'est mon land préféré. Peut-être que le Avenger Campus. Moi c'est Avenger Campus. Ouais, ça ne l'ai pas encore vu, mais je suis certaine que ça sera mon préféré. Est-ce que vous pensez que ça va devenir notre préféré? En vrai, il y a moyen. En vrai, ouais, comme j'ai dit, on m'a un peu spoil les attractions et apparemment elles sont incroyables. Ah ouais, putain, ouais. J'ai trop hâte d'être demain en fait. Restez bien à la vidéo, hein. Vous allez voir tout de l'Avenger Campus juste après. Hein. Non. Ouais, il y a des petits trucs. Là, il y a les petits chats. Vers le pont suspendu. Challenge. Trouver le pont suspendu. Attends, regarde. Pont suspendu. Ah bah, ouais, mais non. Ok, attends. Attends, regarde, je me mets dans les feuilles, je fais un pont. Ça fait les photos Insta de 2010. Comment ça? Genre, regarde, attends, je t'en fais une, tu vas comprendre. Regarde. Ça fait genre vraiment. La photo. Oh, il y en a, on dirait pas, genre les photos qu'il y avait sur Skyblog à l'époque. Ah non, mais elle est horrible la photo. Elle est horrible. Regarde, venez, enfin, on fait genre, on est en pleine exploration. On est en exploration. Mais attends, mais c'est incroyable, hein. J'aime trop. Je suis sûre qu'on peut y accéder de par là-haut. Je suis sûre. On va aller voir. Spyglass, pont suspendu, c'est par là. Mais là, t'es Bear Grylls. Tu connais Bear Grylls? Hein? Tu connais Bear Grylls? Bear quoi? Bear Grylls. T'es obligé de me mettre ta caméra dans la gueule? En fait, ça me fait grave aventurier comme ça. C'est un explorateur de fou qui fait de la survie à mort. Voilà, et du coup, t'es Bear Grylls. Welcome to the...
to the Survive channel. Yeah. Welcome. Subscribe to my channel. Yes. Let's go. We go to adventure. Go, run. Je trouve ça très très drôle. Attends. Ah, je suis sûre, faut monter. Oh, regarde. Déjà, on va y arriver. Déjà. Yes. We can do it. We can find the bridge. Il y a vous retrouver l'intégralité de ce vlog de documentaire. Ouais, sur exactement. La chaîne de Ketsup. We are on the bridge, on the jungle bridge. Après 10 heures de marche, on a trouvé le fameux pont. Il est là. On va y arriver. On a fait 10 heures de marche. We have 10 hours to march. OK. Est-ce que tu vas être assez you will be Yes, courageous to cross the bridge. Yes. I'm ready for this. It's my moment. It's your moment. Yes. I'm peur to cross the bridge. Afraid. Yes. Okay. I can do it. Be careful. No. Oh no. Take your courage à deux mains. And cross the bridge. Yes, there are so many adventurières. Like us. Okay, be careful. Okay. Be careful. Step to step. It's so dangerous. But we can do it. We can do it. Yeah. It's Captain Crochet. Oh, let's go. On a réussi à franchir ce pont. C'était extrêmement dangereux. C'est si dangereux que voilà. C'était une épreuve. Franchement, faites attention. Et comédienne sur combien? J'avoue. Il est 18h22, on a rendez-vous dans une heure pour aller manger. Et je vous avoue, j'ai très très faim. Oui. Regardez. Ouais, c'est beau. Merci. Ouais, toi aussi, c'est encore plus beau quand t'es dans le décor de Jeunin. C'est vrai? Ouais. Mode aventurière. Ouais. Incroyable, le plan était stylé. Dans les arbres et tout, j'ai bien aimé. Ok, avec Doge on s'est changé. Là oui. On va manger, on est à un rendez-vous au dôme. Du coup c'est parti, apparemment c'est un buffet. Donc on va bien voir, on va se régaler. Là on a très très faim, donc c'est parti. Ah, numéro 2, je vous laisse vous installer. Merci. Bah attends mais regarde, t'as vu la table? C'est un truc de fou. Incroyable. On a une table. Mais attends, mais regarde les couverts. Ok, on a un petit cocktail. Oh, j'avais pas vu le petit truc. Mais oui, t'as vu, petit cocktail sans alcool. Vas-y, viens, goûte. Oh, regarde, il y a des paillettes dedans. Ça scintille. Oui, mais t'es en mode. Non, j'avais pas tiré. J'aime bien, j'aime trop. En fait, c'est de l'eau au citron, en vrai. Chill. Non, mais elle est faite, elle est trop bonne. Moi je vis bien en tout cas. Il y a les starters, plateau de jambon sec, oh la dinguerie. Non en vrai on est. Les tables elles sont grave belles. Ouais. Les meufs elles sont grave belles aussi là. Non mais du coup franchement trop bon. Moi j'ai mangé du poulet avec une suprême. Enfin un suprême de volaille. Mais ouais du coup le repas masterclass. Bref, on arrive à la chambre. Donc là on va se rechanger parce qu'on a un petit froid. Ouais. On va aller se balader, on va aller dans le parc et après il y a le 10. On a bien mangé. Exactement, on a trop bien mangé, franchement je suis trop contente. Et ensuite on va aller voir le spectacle des 30 ans. Vous savez, avec les drones et tout, les projections sur le... J'ai jamais vu. Excuse-moi, j'ai jamais vu mais j'ai vu sur internet. Bon, vas-y on se capte. Du coup les gars, j'ai sur un poste là avec Dejna. Hop, le château il est juste là. Il est juste tout près, on dirait sur la vidéo qu'il est loin mais il est vraiment tout près. Donc voilà, on attend que ça commence, ça va commencer d'ici 10 minutes. Ouais. J'ai trop hâte. Avec Dejna toujours et encore. Oui. Là on va tranquillement rentrer à l'hôtel, on va peut-être voir Dwag pour prendre un petit verre. Voilà. Le Dwag. Et puis après ça va aller dormir tranquille. Hein. Bon allez, on rentre à l'hôtel et c'est parti quoi. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous êtes personne? Oui, c'est ça. Mon frère est fan de vous. Ah. Je n'ose pas trop vous demander. Il y a pas de soucis, tout va bien. Oui. Vous prenez une photo. Ouais, bien sûr.
pas nickel. Merci beaucoup. Y'a pas de soucis, bonne soirée. Ciao ciao. Vous êtes 4 stops. Ouais mais moi aussi genre j'ai 20 ans, on me dit vous, j'ai l'impression de me mettre sur un piédestal, je suis trop gênée tu vois. Bon du coup les gars on est rentrés à l'hôtel, là on va se préparer pour dormir, moi je suis déjà prête, Dejna elle prend sa douche et ensuite bah voilà on va dormir tranquillement, on va se reposer et nous on se retrouve demain d'accord. Allez transition dodo, allez vous coucher les refs ok, allez vous coucher, allez bisous. Sur 10 bon, ah j'ai pas goûté mon donut mais le réfraîchat bah un réfraîchat bon. Quoi. C'est trop bon. Moi j'avoue ouais. Que je prends que des réfraîchats à chaque fois donc bon. Même moi ouais. Putain mais les musiques il est 9h du matin. Mais du coup là ça y est on est rentré dans le parc. Qu'est-ce qu'on va faire comme attraction? Est-ce qu'on irait pas le faire le train de la mine? Dès le début comme ça. C'est en deux dès le matin. Ok les gars, oui. Train de la mine. C'est parti. Alors, t'en as pensé quoi? Mais en vrai, je sais même pas, j'arrive pas à savoir si je l'avais déjà faite ou pas. C'est trop. Enfin, mais incroyable, j'aime trop. Elle est trop bien en vrai. Ouais. Non, en vrai, j'ai kiffé. Combien sur 10? Combien sur 10? En vrai, moi j'ai grave kiffé. Hein. Je pense que c'est une de mes attractions préférées. Ah ouais? Ouais. Bah trop bien, en vrai ouais. Elle est cool de fou. Bon, sans transition, on se retrouve sur ma caméra. Avec deux, on est rentré à l'hôtel. Et là, on va tout simplement prendre le brunch. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Est-ce que je peux vous accompagner? Ok, bah on va aller regarder par là-bas et vous... Okay. Ouais, là, il y a une table de 6 où vous pourrez ouvrir une grande table pour deux. Ok. Ok, ok. Putain, mais le brunch, attends, mais okay. Incroyable. On est la table Spider-Man, incroyable. Mmh. Bah on va aller se servir, hein. Disney, vous nous mettez trop bien, c'est incroyable. Bon, le repas du midi, ça sera macaroni, petit pain, petit fromage, et pour Dejna, ça sera brioche. Mais brioche, parce qu'elle pâte. Était trop mignonne. Brioche, pâte, pain et jus de pomme. Franchement, Dejna... Et après, je mange autre chose. Ouais, bah oui, et après, il y a les desserts. Trop mignonne. J'avoue, elle est mini. Non, mais je me resservirai de salé. Ouais, je pense que je vais me resservir aussi. On va goûter ça. Jamais mangé de macaroni au fromage de ma vie. Vraiment. Je crois qu'il y a beaucoup de petites macaronis. Mmh. Ça goûte les macaronis aussi. Ça dit quoi, là? Non, c'est bon. Ah ouais? Ouais, j'avais jamais mangé macaroni au fromage et bah j'aime bien. Bon app. Bon app. Là, je vous fais du RP manger. Bon, allez, bon app, les refs. Bon, du coup, en dessert, petite gaufre Marvel, petit yaourt, petit bébé Groot. Oui. Voilà. C'est un petit biscuit, il est trop mignon en vrai. Oui. Donc, on va goûter. J'ai très envie de goûter la gaufre. Bonnes, elles sont bonnes, c'est trop bien fait. Elles sont trop bonnes. Non, oui. Les gars, j'ai un coup de barre. On s'est réveillé à 7h30. Là, on vient de manger. La digestion, elle va nous tomber dessus. Je suis HS. Fatiguée. Mais là on va retourner récupérer nos affaires et on va voir ce qu'on va faire. 13h45, rendez-vous à Avengers Campus. 14h20, les Gardiens Galaxy Dance Challenge. Ah, j'ai une rencontre avec Spider-Man et Ant-Man. Oh, okay. Ah ouais? J'ai trop envie que Spider-Man il fasse sa pose. Je vais lui dire, do the pose. Ok, c'est bon, je me suis coiffée pour faire les photos et c'est parti, on va tout droit vers Walt Disney Studios et vers l'Avengers Campus. J'ai trop hâte de découvrir ça. Merci. J'ai trop hâte. Mmh. Ah, il est là, le Dwag, avec Titi. Coucou, ça va? J'ai full dodge tout ce matin, j'ai fait que dormir. C'est vrai? Ah bah t'as arrivé. Là, il y a 20 minutes, même pas. Bon, là, on est en train de marcher vers le studio. On arrive tout doucement. Mmh. Voilà, il y a encore les, il y a le studio à passer et tout, et moi j'aime trop. Oh là là, mais regardez-moi ça, regardez-moi ça. Les petits palmiers et tout, c'est incroyable. Je suis contente d'avoir mis mon bob. Non, regarde, c'est incroyable, le studio comme ça. En fait, l'idée du fait que tu traverses un studio et que tu arrives, enfin, ouais. De base, l'idée de base, c'est le cinéma et les effets spéciaux, je crois, le ouais. Studio. Et puis, on va rentrer à l'intérieur. Regardez-moi ça. Ça, je veux trop aller à Hollywood. C'est Walt Disney Studio. Incroyable, ce studio.
Il y a un spectacle, les frérots. Faut y aller. Faut y aller. Il y a un spectacle. Il se passe des trucs de fou. Il se passe des trucs de fou. Voilà, on est avec Dejna qui est complètement déter, nous avons avec Dwagby qui est aussi complètement déter. Donc là, vous voyez, il y a des règles. Donc en fait, il faut faire Spider-Man, il faut faire des trucs comme ça et tout. On peut tirer, on peut les baisser, on peut, en fait, c'est des, on peut push des boutons. Bref, je ne parle pas anglais, bah, bref. En fait, Peter Parker, il a foutu le bordel. Ouais. Une invention de merde, ça a foutu le bordel et on va le sauver en attrapant les conneries. Ouais, voilà. Avec sa technique à lui. Voilà, bon, en fait, on devient tous des Spider-Man. On est dans des boîtes comme ça là. Et genre ça bouge et tout. Moi je trouve ton style avec les lunettes quand même. Lunettes 3D, miroir. Et franchement tu peux les utiliser IRL hein. Ah ouais non. Ça me va bien. Non, en vrai il y a un truc. Parce qu'elle a un... C'est le bob. C'est le bob. Ouais, c'est le bob. Ouais, en vrai c'est le bob. Wag. Attention à la marche. Utilisez tout. Non. Ça fait lunettes de piscine. C'est vrai, ça veut dire de piscine. Je peux pas filmer à l'intérieur, mais en tout cas, je vais vous faire des coups juste à la fin, juste en sortant. Mais en tout cas. Ouais, c'est donc, j'ai trop de voir. Je vais aller tous les trois, numéro 1. Numéro 1. Énorme dingue. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez la faire. Allez la faire, elle est trop trop bien. Bonjour. Bienvenue chez Recru. Merci. Allez-y, je vais aller à la rencontre de la guêpe. Incroyable. Bonjour. Comment allez-vous? Excellent, et vous? Bah écoute, très très bien, ça fait plaisir de vous rencontrer. Oui, je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Bienvenue à Recru. Merci beaucoup. Bah merci. Comment vous appelez? Moi c'est Stella. Stella, enchantée. Et moi c'est Flora. Enchantée, je m'appelle Hope Van Dyne, je devrais créer cette pub lavatoire juste là-bas. Ok. Ok. Et qui est votre avenir préféré? Ah bon? Moi je dois avouer, c'est quand même Iron Man. Oh, ouais. Oh, c'est pas bien. C'est Iron Man qui nous a inventé ici, c'est la belle de Frappos. Donc Scott et moi on est super super contents ici. Bah nous aussi. Très merci, très contents. Merci. Très très contents. Ça c'est un disque de Pym. Ok. Donc dedans c'est le Pym Particle. Ok. Okay. On peut rétrécir et on peut grandir. Oh, ah oui! Si vous voyez quelque chose bleu, c'est pour rétrécir. D'accord. Et si vous voyez quelque chose rouge, c'est pour grandir les choses. Moi, je vais prendre du rouge du coup. Ouais! Ah, je dois faire? Oui. Tu fais les mouvements, tu le lances pas, mais tu fais les mouvements. Tu fais les mouvements, bien me soleil comme ça, c'est ça. Ouais, voilà, et t'apprends le mouvement pour devenir une recrue de fou. Voilà, c'est pour rétrécir là. Vas-y, Dejna, lance! Vous voulez rétrécir? Ok, on va. Tu veux que je te lance? Vas-y! Nice. Incroyable, moi aussi je veux faire l'entraînement, moi aussi. Vas-y. Nice. Du premier coup, incroyable. La première pause que nous venons sous la On a guêpé cette venue. Elle était incroyable, elle était trop belle. Elle était trop gentille, elle était trop fine. Non, j'attends. Faut qu'on s'entraîne fort, Dejna, pour devenir comme elle. Pour devenir comme elle. On va avoir une taille de guêpe. Incroyable. Froide. Trop froide. Oh, il y a Spider-Man. Mais attends, il y a Spider-Man, il fait des freestyles. Il est trop fort. Non mais vraiment, attends, d'un seul coup tu tournes la tête, tu vois Spider-Man faire des loopings dans les airs, c'est incroyable. Ouais, t'es là, mais je veux vivre cette vie absolument tous les jours, les frérots. En fait, on doit aller là-bas. Mesdames et messieurs, Dejna, Cats Up. Allez-y. Mais nous, on veut danser. Vas-y, allez, on y va. Venez avec nous. Vas-y. J'ai ton caméra, vas-y. Faire un sacré demi-tour. Ça tourne, mesdames et messieurs, la caméra tourne. Et Dwag, je sais que tu danses bien. Dwag, il danse bien, c'est sûr. Regarde, ça va être horrible, je sais pas danser. Vous savez danser aussi, hein? Hein? Je sais pas danser. Mais bien sûr que tu sais danser. Mais non. Vas-y. Vas-y. Ah, on a Dwag Big Guerrier. Comme une seule. Regardez le Dwag. Voilà, son titre guerrier prend tout son sens là. Oh le daron. Excellent travail, le truc.
On a du pain sur la planche. Oh mon dieu. Très bien, continue. Purge et rallume l'unité centrale et les générateurs auxiliaires. C'est quoi ce truc? Ces transpondeurs sont chargés dans les véhicules hypersoniques de la Flight Force. Votre mission? Piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Ok. On n'a pas le droit à l'erreur. Oh ouais, c'est un délire. Il est dans son couloir. Il y a le vrai Iron Man. Salut. Salut Iron Man. Attends, mais le délire. Je suis intimidée. Vous êtes trop beau. Super intimidée. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Au revoir. C'est trop cool, ouais. Ouais, c'est sympa. Bon, les gars, je vous range et je vous fais un brief après. Putain, les gars, quelle aventure. Hein. Putain, c'est. Waouh. C'était sportif en vrai. Mais moi aussi. C'était sportif de fou en vrai, mais trop bien. Trop bien l'attraction, les décors et tout, genre vraiment masterclass. J'ai kiffé. Franchement, masterclass. Hein. La rencontre est finie, c'était trop cool. Franchement, j'ai trop kiffé. Là, on se dirige vers le slow-mo. Ça, c'est les cams un peu comme au Met Gala où ça fait des ralentis et tout. Et ben, on va y aller directement avec Nadwag. Nadwag juste là, on a Dejna qui est juste là. Et on y va quoi, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Oh, incroyable! Alors, bah, venez avec moi, comme ça je vais vous montrer. Oh, c'est trop stylé! C'est parti! C'est un bras robotisé comme ça qui va vous filmer très rapidement. C'est incroyable! Vous allez voir juste ici qu'il y a un slow motion en fait pour avoir un vrai côté super héros. Ah ouais, c'est incroyable! Bon, du coup, je vous donne Dwag, il s'est porté volontaire. Oulala! Oh là là. Oh là là! Je vais bien m'occuper de vous. Tu viens 4h. Elles vont faire justement le slow motion, je vous montrerai en réel. Allez. Et surtout à l'image que ça rend. Oh là, c'est parti! Est-ce qu'elles vont faire un truc stylé ou pas? Et quand on vous dit 3, 2, 1, de vous retourner et vous avez la caméra qui est juste ici. Avec la caméra qui est là, 3, slow motion. 2, 1, action. Waouh, quelle attitude. Yes, là on a ce qu'il faut. Quelle attitude les filles. Avec la réaction des filles en même temps. Canon. Oh là là. Oh, Dejna, l'attitude. Dejna, t'as trop de style. L'attitude. Oh là là. Oh. Stylé, non, franchement, il est stylé votre plan. Ouais, j'ai paniqué. Vas-y, je le fais solo, après on le fait tous les trois. Vas-y. Carré, comme ça tu pourras t'attraper. Vas-y. Oh non, non. Je suis trop chum sur le slow-mo, frère, ça me dépite. Mais c'est grave cool. Allez, ouais. Le Dwag, autour du Dwag. Sur. 3, 2, 1, action. Oh là là, il a fait un truc trop stylé. Attends, regarde. Le résultat. Divisé par 20, donc. Ah ouais, le regard là. Quel acteur. Et là on arme. Tu sens l'effort, tu sens que ça vient de loin. Tu le joues vraiment là, tu le ressens là. Stylax. À 3, c'est stylé. Ok, là c'était autour de Locke. Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait Locke? Tu vas voir, c'est nul. Moi je suis stylé, toi t'es. Regarde le petit regard à gauche. J'observe, j'analyse la situation. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Regarde bien, c'est chelou. Et ensuite je me dis. Mais t'es hors chien en plus! Mais sans rien! Mais toi, il fait une toupie! 3, 2, 1, action! Bah attends, bah non, mais là, non, c'est. Non. Les alliés. Oh, les équipes de braqueurs! Et toi, vraiment? Mais t'es apeuré par la caméra! On a fait une à 4, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce. Non, c'est très bien! Non, oui. Mais il arrive. Non. Oh, c'est bien. On dirait que c'est vraiment genre vous ne devinerez jamais nos mouvements, tu vois. On est imprévisible. Vraiment ça, trop stylé. Ouais. Comment? Trop stylé, super drôle. Du coup là on va à l'inauguration. On est avec notre petite Dej, voilà, toujours. Voilà, toujours. Et on va voir ce qui va se passer, j'ai trop hâte. Bonsoir. On arrive, il y a pas mal de monde. Il y a tous les cast members là-haut. Ça, c'est une super vue. N'oubliez pas de me taguer sur vos vidéos. Hashtag Amazing Spider-Man. Voilà, hashtag Amazing Spider-Man. And finally, it is with great pleasure that I get to introduce you to the hero who... Woo!
Bon, du coup, les gars, comme vous pouvez le deviner, je suis dans mon lit, voilà. On est rentré, la cérémonie est finie. On a regardé un petit peu. Franchement, c'était trop cool. Vraiment, je suis désolée, là. Le vlog, là, je suis... En fait, on fait tellement de trucs. C'est trop bien. On est fatigué, mais c'est trop, trop bien. Genre, mais des fois, j'oublie un petit peu de filmer. J'ai filmé un petit peu avec mon téléphone parce que j'avais plus de batterie dans ma caméra. Mais en tout cas, le jour 2 fini. Franchement, giga masterclass ce jour 2. On a découvert deux nouvelles attractions et on a franchement trop, trop kiffé avec tout le monde. C'est un 10 sur 10. Enfin, bref, là, on va aller dormir très tranquillement et se retrouve demain matin. Gros bisous. Regarde, il est trop stylé et tout, petite fontaine avec des petits animaux et tout. Ça, c'est Marcel. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est son œil ou c'est mais son oui, nez? C'est son œil. Ah, j'ai cru que c'était son nez. Non, c'est son œil. Donc, ça, c'est Marcel. Ça, c'est Jean. C'est quoi ça? C'est un lézard? Ça, c'est Louis. Louis, d'accord. Ça, c'est Ibrahim. Ibrahim, enchanté. Ça, c'est Zizou. Hein, c'est son petit surnom, voilà. Zizou. Ça, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, enchanté. Louisa. Louisa, c'est ouais. La meuf de Louise. De Louis c'est la maman quoi. C'est la maman, ok. Un petit peu long la blague de Jean. Regardez. Oh les grosses godasses. Ces chaussures là. Elle est trop pipou. Elle est trop pipou. Mais non, il est trop mignon. Il est trop mignon. Oh, c'est oh là, ouais. Bah, là, incroyable. Mais tu sais que notre joke, j'aimerais trop avoir une voiture comme ça. Allez, viens. Allez, on y. Là, on peut refaire des plans aventurières. C'est stylé en vrai. Let's go, we take the Gova to the jungle and we do the adventure. Bon, les gars, c'est bon, là on vient d'arriver, on va partir à l'aventure encore une fois. Let's go to do it, yeah. I don't speak French because I am American girl and I am American adventurer. Ok. Les gens ils ont dû me prendre pour une folle, j'ai foncé dans le palmier. Okay. Regardez mon score. Et non j'arrive pas moi, je dis là j'arrive pas. Faut que tu vises, genre avec un mec, moi je suis le faut que tu vises et l'autre vise le plus loin que avec un mec c'est ça. Il y a d'expérience ici, il y a d'expérience. Je suis trop forte. Je suis éclaireur spatial. Moi, j'ai déjà fait commandant interstellaire. Moi, je suis pilote interplanétaire. Au revoir. Ah, ça arrête. Jure. Oh, j'avoue, elle est trop... Regardez comment elle est trop mimi. Oh, j'avoue, elle est trop mimi. Moi, j'avoue que le Bob Razowski, là, il me fait trop rire avec son œil. Elle est trop mimi. Oh, j'avoue. Moi, l'œil, il me fait de l'œil. Bob Razowski me fait de l'œil. C'est incroyable. Il est trop mignon. J'adore. Bon, du coup, on a craqué. On va prendre le duo. Toi, tu seras Sully et moi, ce sera Bob. Franchement. Vous préférez lequel? Ouais, vous préférez lequel? Moi, il a une tête de mignon. Enfin, genre, il est trop chou. Mais toi, il est vraiment, tu sais, représentatif. Ouais, vous préférez lequel? Tapez 1 pour Sullivan, tapez 2 pour Bob. Moi, j'aime beaucoup Bob. Mais Sullivan, vas-y, c'est mon petit coup de cœur. T'es parti direction la caisse avec Bob. Ok, c'est bon. On les a. C'est désormais à nous. Ah non, moi, je peux mettre comme ça? Non, ça marche pas. J'ai trop cru, c'était mon gosse. Ok, du coup, on va se balader avec Bob et Sullivan avec nous. En plus, regardez, c'est grave corda avec son sac. Ouais. On est grave corda et la petite fille, et bah c'est toi. C'est toi, t'as la petite fille. Je suis surtout ça. Ouais, t'es beau. Voilà, c'est parti. Ok, vas-y, on monte la Belle au Bois Dormant. Mais attends, mais il est incroyable le livre. La galerie de la Belle au Bois Dormant. Par contre, le livre, giga dinguerie. Hein. On monte dans le château. Alors là-haut, il y a en fait, c'est un peu l'endroit réservé à la Belle au Bois Dormant. Et la beauté aux cheveux blonds dorés, elle a la bouche rouge vermeille. Elle dort sereine, attendant que son prince la réveille. Trop stylé. C'est trop beau. En fait, ça retrace un peu l'histoire, mais sous forme de tapisserie, mais c'est trop beau. En fait, on fait l'histoire à l'envers. Ouais, on fait l'histoire à l'envers, j'ai vu. C'est pas grave. Mais même, regarde, à les arbres, il y a des petites lucioles. Ouais. C'est trop beau. C'est incroyable. Je pense que c'est vraiment une partie à faire dans le château. Si vous connaissez pas, montez à l'étage. Franchement, c'est trop beau, ça envole le détour personnellement. Là, il y a Maléfique derrière moi. Waouh, wow. ça c'est mon vitraux préféré. Incroyable. Oh la grosse dinguerie. Bah attends, mais la fontaine elle est juste incroyable. Oh, il y a les petites fées autour d'Aurore. Mais regardez-moi ce vitrail. Il est incroyable. C'est mon préféré celui-là, vraiment.